Est-ce que c'est possible d'avoir si mal? Oh mon Dieu, est-ce que c'est possible? Ça devient physique. Mes yeux me brûlent, mes mains tremblent, mes jambes vacillent sous mon poids. Et ma gorge, oh ma gorge! C'est comme s'il y avait quelque chose coincé à l'intérieur. C'est au fond de mon ventre, tapis, innommable, inexprimable. C'est au fond de mon ventre et ça remonte lentement, sournoisement. Ça atteint mes poumons et ils se bloquent. Ça n'arrête pourtant pas de progresser. Ça se hisse, ça griffe, ça lutte, avide de pouvoir remonter à la surface. C'est dans ma trachée. Je tords la nuque en arrière, terrifiée à l'idée que ça atteigne son but. Ça y est. Ça a franchi ma bouche. C'est un cri. Un cri terrible, un cri animal. Je gronde, je hurle, je tonitrue. C'est la haine, c'est le désespoir, c'est la révolte, c'est la colère et la bestialité pure. La force des titans me gagne, je cogne, je détruis, je rugis. Ma puissance n'a pas de limite. Et puisse l'univers périr avec moi. Mon corps entier tremble, le monde entier tremble. Je tombe à genoux et hurle tel le loup affamé de vengeance. Ma gorge m'élance violemment, mon ventre se contracte comme s'il voulait expulser ce cri une bonne fois pour toutes. Et le monde hurle avec moi, à mon anéantissement et à mon amertume. Le cri se bloque dans ma gorge. L'univers se tait, attendant mon signal pour recommencer à gémir avec moi. Mes poumons protestent. Je ferme les yeux, la mâchoire crispée à m'en faire mal. Mon corps est secoué de tremblements que je ne cherche même pas à contrôler. Je me recroqueville au sol, la tête serrée entre mes bras. Je replie mes jambes contre moi pour me protéger. Et puis je pleure toutes les larmes de mon corps. My cat sneezed halfway through. And I don't know if you can hear it. But that would be glorious. That was a fanfiction I wrote a while ago. It's about one specific character death. I'm still bitter about it. It's been like 3 years. please tell me if you want me to do these kind of things again every once in a while, because I'm not writing much fanfiction lately, but I have quite a lot of them in my laptop that I can read to you guys. I'll gladly do it if you like it. Alright, that's it. See you soon. I wanted to say tomorrow, but to be honest, my schedule is just too fucked up to give a date.